tout le monde. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour la réunion publique du consortium Le Centre Jules Léger. Nous sommes le 15 septembre 2022 et vous allez voir une petite différence. Nous sommes ici sur les lieux du consortium Le Centre Jules Léger à Ottawa. Donc, les membres ont eu la chance de faire une belle visite du consortium, de rencontrer des élèves, les membres du personnel. Donc, c'était une très belle journée pour nous également. Un petit rappel que la rencontre est enregistrée, comme vous pouvez voir. Alors, je veux souhaiter la bienvenue pour les gens qui participent également par la vidéo. Alors, la réunion ordinaire publique du consortium Saint-Jean-Léger du 15 septembre 2022 est ouverte à 19h04. Je me présente, Joanne Lacombe, la présidente du consortium, et avec moi, j'ai la conseillère Chartrand qui est en ligne. Bonsoir. J'ai la conseillère Labrèche qui est la vice-présidente. J'ai le conseiller Lambert. Bonsoir. J'ai la conseillère Muse. Bonsoir. Et j'ai la conseillère Salituri. Bonsoir. Nous avons également notre élève conseiller, Curtis. Bonsoir. Au niveau de la direction, donc j'ai le directeur d'éducation, M. Boulanger, à mon côté. Les membres de l'administration, j'ai Mme Fizet. Bonsoir. J'ai Mme Joseph. Bonsoir. J'ai Mme Znini. Bonsoir. J'ai également Mme Bénard en ligne pour interprète. Donc, bonsoir. J'ai Mme Richard qui s'occupe de la technique pour nous. Et également la secrétaire de la science, Mme Marilyn Tourette. Bonsoir. Alors, bonsoir à tout le monde et merci d'être ici. Au niveau de la reconnaissance du territoire, donc nous aimerions vous demander de réfléchir au territoire sur lequel vous vous retrouvez et de vous rappeler que les peuples autochtones utilisent ces terres depuis des millénaires. Nous tenons à reconnaître les traités qui existent dans nos régions et que malgré le fait que ces traités furent signés il y a plusieurs années, ils sont encore très pertinents aujourd'hui. Nous reconnaissons également que Terre-Mère est le foyer des Premières Nations, des Métis, des Inuits et de tous les non-autochtones. C'est dans cet esprit de partage que nous veillons collectivement à protéger la terre, l'eau, les animaux et à nous respecter les uns et les autres dans l'intérêt de la paix et de l'amitié pour les générations à venir. Maintenant, au point 2, présentation au Conseil, c'est sans objet pour ce soir. Le point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des changements à apporter à l'ordre du jour? Sinon, je vais lire la motion, qu'elle soit adoptée telle que présentée lors du jour de la réunion ordinaire CCJL 2021-2022-07 du 15 septembre 2022. Donc, proposée par la conseillère Salituri, appuyée du conseillère Lambert, en faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Déclaration de conflit d'intérêt. Donc, si vous avez un conflit au niveau des sujets de l'ordre du jour, de l'indiquer maintenant ou au cours de la rencontre. C'est votre responsabilité de le faire comme conseiller scolaire. Le point 4, adoption du procès-verbal de la dernière réunion. Donc, c'était la réunion du 16 juin 2022. Est-ce qu'il y aurait des choses à soulever, questionner, corrections? S'il n'y en a pas, que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la réunion ordinaire 16 juin 2022 du CCJL, donc proposé par le conseiller Lambert, appuyé de la conseillère Labrèche. En faveur? Parfait, c'est adopté. Le point 5, les suivis découlants de la dernière réunion, c'est sans objet. Nous sommes maintenant au point 6, donc les points de décision, discussion ou dialogue stratégique. Alors, je vais demander à notre directeur de l'éducation à présenter le plan de travail. Monsieur Boulanger. Merci, Madame la Présidente. Vous avez reçu, conseillé dans votre trousse, le plan de travail pour cette année. Donc, vous avez vu les rapports de monitorage qui sont étalés à travers l'année. Certains des éléments qu'on veut aussi discuter avec vous au courant de l'année aussi. Vous avez aussi remarqué qu'à la communication et appui au conseil, les mêmes éléments qui reviennent à chaque rencontre que nous avons ensemble. Et puis, bien sûr, c'est un plan de travail qui peut aussi évoluer en temps, tout dépendant des sujets qui vont venir à notre attention. Donc, là, c'est notre plan de travail pour la prochaine année. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions? Il n'y en a pas. Alors, que soit adopté le plan de travail annuel et le calendrier des réunions du conseil du CCJL, tel que présenté lors de la séance ordinaire du 15 septembre 2022, proposé par Madame Chartrand, appui de la conseillère Muse, en faveur. Parfait, c'est adopté.
Maintenant, au point 7, donc les rapports des comités. Alors, le 7.1, réunion ordinaire à huis clos, siégeant en comité pionnier du 15 septembre 2022. Donc, je vais vous demander d'adopter les recommandations que nous avons ici. Alors, que les recommandations approuvées lors du comité plénier siégeant à huis clos du 15 septembre 2022 soient approuvées telles que présentées. Alors, proposées par le conseiller Lambert, appuyé de la conseillère Salituri. En faveur? Fait, c'est adopté. Maintenant, le point 8, donc les rapports de monitorage des politiques. Alors, je vais demander à la direction d'éducation à présenter les rapports de monitorage. Donc, merci, Madame la Présidente. Le premier, c'est le rapport de monitorage 3.8. Celui-là a comme objet le remplacement d'urgence de la direction d'éducation. Donc, on a comme mandat de s'assurer qu'il y a quelqu'un en remplacement si jamais la direction d'éducation ne pouvait être présente. Donc, je vais vous lire l'énoncé global, puis ensuite parler de la conformité. Donc, dans l'encadré, afin de protéger le conseil et le consortium de Saint-Jules-Léger d'une situation résultant de l'absence sans préavis de la direction de l'éducation ou de son incapacité à exercer ses fonctions, la direction de l'éducation ne doit pas négliger de familiariser au moins deux cadres avec les dossiers et les processus qui relèvent du conseil, ainsi que ceux qui relèvent de ses propres responsabilités. Donc, pour être en conformité avec cette politique, je dois être capable de démontrer que, un, il y a deux personnes qui sont nommées, que j'ai identifié deux personnes, et que j'ai aussi des procédures en place pour assurer d'informer ces deux personnes-là du fonctionnement du CCJL en général. Donc, les deux personnes que je vous présente devant vous aujourd'hui pour remplacement sont Elisabeth Tachereau, qui est la direction de l'école d'application, qui prendra la relève si jamais il y a des situations au niveau de l'éducation comme telle. Mme Tachereau sera appuyée de Mme Fizet, qui est la gestionnaire des finances, qui connaît très bien le fonctionnement du CCJL. Donc, c'est deux personnes qui participent aussi au comité de gestion. On a plusieurs rencontres, on a une rencontre au moins par semaine. On discute de tous les dossiers. Donc, ces gens-là sont familiers avec pas mal tous les dossiers qu'il y a au CCJL. Donc, Mme la Présidente, je suis en conformité avec la politique 3.8. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? N'en voyant pas, je vais lire la motion. Donc, que soit reçu le rapport de monitorage politique 3.8.01-2022-2023 portant sur la politique 3.8 remplacement d'urgence de la direction de l'éducation telle que présentée à la réunion ordinaire du conseil le 15 septembre 2022. Donc, proposé par la conseillère Muse, appuyé de la conseillère Labrèche. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Le 8.2, donc pour la politique 3.2, situation et activité financière. Monsieur Boulanger. Parfait. Donc, pour la même situation, je vais vous lire et l'encadrer. Donc, en ce qui concerne la situation et les activités financières courantes du consortium Saint-Jules-Léger, la direction de l'éducation n'autorise pas ou ne tolère aucune mesure qui risque de mettre la santé financière de l'organisation en péril ou de créer un écart important entre les dépenses réelles et les priorités identifiées par le Conseil lors de l'adoption des prévisions budgétaires. Donc, je voudrais attirer votre attention tout de suite aux endroits où je suis partiellement conforme, donc le 3.2.4 qui se situe à la page 5 de 7. Donc, celui-là, c'est permettre que les salaires retenus à la source ainsi que tout autre paiement soit remis en retard. Donc, on a eu des frais de retard de paiement là, pour un montant quand même minime, pour un fournisseur. Et puis, suite à ça aussi, il y a le 3.2.5, où je suis aussi partiellement conforme. Et celui-là, c'était pour permettre que toute documentation exigible d'un gouvernement de bailleur de fonds soit remise en retard ou contienne des inactitudes. Donc, on vous a dressé le tableau ici de tous les rapports financiers que le CCJL envoie au ministère. Puis en même temps, on a indiqué dans la colonne de droite si on a respecté les exigences. Donc, à chaque fois, on s'assure, puis nous, on revise notre calendrier aussi à chaque année pour s'assurer que nos tables politiques concordent aussi avec les dates ministérielles. Donc, des fois, c'est pas possible. Puis d'autres fois, on a demandé aussi au ministère de nous permettre de remettre en retard. Puis vous allez remarquer aussi qu'à d'autres endroits, on a remis notre rapport à l'avance. Et pour le reste, je suis conforme. Et puis, je tire votre attention aussi à la page 3 de 7. C'est les données qui sont présentées pour le dernier quart de notre année financière. Donc, à l'annexe 1 du rapport, vous allez trouver les dépenses réelles dans le tableau.
Donc, ceci étant dit, Madame la Présidente, je suis partiellement conforme à l'énoncé global, de cette politique. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle a des questions ou des commentaires? Non? Parfait, je vais lire la motion. Que soit reçu le rapport de monitorage politique 3.2.01/2022-2023 portant sur la politique 3.2 situation et activité financière pour la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022, telle que présentée à la réunion du 15 septembre 2022. Donc, proposé par le conseiller Navarre, appuyé de la conseillère Salituri. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Le point 9, les décisions en bloc, c'est sans objet pour ce soir. Donc, nous sommes au point 10, communication et appui au conseil. Alors, je vais demander pour le rapport 10.1, rapport de la CEPO, je vais demander à la conseillère Labrèche de nous faire son rapport. Oui, merci Madame la Présidente. La CEPO a eu sa réunion à la fin du mois d'août et nous avons commencé par un tour de table avec les directeurs d'éducation pour savoir comment était l'entrée scolaire. Tout allait bien, excepté beaucoup d'entre eux ont parlé d'une pénurie au travers de la province qui est un peu problématique. Alors, il y a un comité au niveau provincial qui adresse le problème à ce moment. Monsieur Boulanger a fait son survol, c'est bien. Au centre Jules Léger, il ne semble pas avoir des problèmes de manque d'enseignants. Alors, c'était notre discussion. Ensuite, ça me fait plaisir d'avoir été accueilli pour la première fois comme membre du CCGL à la table politique de la CEPO. Et alors, l'association en ce moment travaille à mettre les documentations à jour pour refléter cet ajout à la table. Ensuite, nous avons aussi parlé des discussions que nous avons par rapport aux élections, comment que les élections vont fonctionner. Alors, pour le mois de novembre, les élections vont être un représentant pour le centre Jules Léger de l'Ouest, un représentant de la région Est et un représentant du Nord, comme nous l'avons, comme c'est là. Alors, c'est ça. Ils sont au courant qu'après la réunion inaugurale, qu'immédiatement après que le consortium puisse avoir leur table politique à partir du 1er décembre 2022. Alors, c'est ça. Et aussi, nous avons parlé de notre congrès de la fédération qui va avoir lieu à Whitehorse au mois d'octobre de 2021 et 2022. Et c'est à peu près tout que nous avons discuté à la table de la CEPO. Parfait. Merci beaucoup, conseillère Labrèche. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Merci. Oui. Maintenant, le 10.2, donc pour la FOCFC, alors l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques, donc je vais vous faire le rapport. Pour nous, notre prochaine rencontre du conseil d'administration aura lieu le 6 et 7 octobre. Donc, j'aurai plus d'informations pour la prochaine fois au niveau de notre conseil d'administration. Mais je suis contente également d'indiquer lors des Jeux du Canada qui a eu lieu là, dans la région Niagara. On a eu une belle équipe, là, beaucoup de gens qui ont travaillé très fort. Donc, la conseillère Chartrand a été là pendant les deux semaines au complet. Donc, nous a bien représenté au niveau de nos conseils scolaires, de la francophonie. Elle, son conjoint et beaucoup d'autres personnes l'ont aidé. Donc, un gros merci pour votre appui dans les Jeux du Canada qui étaient si importants et bien représentés. Et la FOCFC également, notre directeur général était sur les lieux aussi. Donc, la FOCFC a pu participer aussi de ce côté-là aussi. Donc, merci beaucoup. Au niveau du CCGL, nous aussi, on a eu des discussions au niveau des élections, comme avec la CEPO aussi. Donc, on va entamer, une fois que les élections vont avoir passé, un processus pour la sélection dans le même genre de processus que la CEPO aussi, pour qu'on puisse s'assurer d'avoir la relève au sein du consortium Centre Jules Léger. De la formation qui a été donnée aussi par la FOCFC au cours de l'été pour les élections, donc les élections du 24 octobre. On voulait mousser l'intérêt
au niveau là, de c'est quoi un conseiller scolaire, ça fait quoi, on a besoin d'aide aussi, on a besoin de la relève. Donc, on a fait de la formation pour des gens qui pensent peut-être mettre leur nom de l'avant au niveau de conseiller scolaire. Donc, je veux remercier la FOCFC d'avoir fait ceci. Et la semaine prochaine, je vais aller représenter la FOCFC à Toronto pour la levée du drapeau. Donc, comme on sait, il va y avoir beaucoup d'événements pour la levée du drapeau franco-ontarien. Donc, j'y serai sur les lieux. La FO organise là, la levée du drapeau à Queen's Park. Donc, je serai là pour la FOCFC. Alors, voilà pour mon rapport. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Parfait. Merci. Maintenant, le 10.3, donc la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Donc, j'étais au CA en ce moment, donc on avait un conseil d'administration ce soir qui se poursuit. Alors, je pourrais vous donner un peu plus d'informations pour la prochaine fois, mais c'est le début de l'année scolaire, donc une bonne rencontre. Également, je travaille au niveau du comité organisateur pour le congrès, comme la conseillère Labrèche l'a indiqué. La Fédération nationale va avoir son congrès annuel à Whitehorse. C'est une première après 2 ans et demi avoir le tout par virtuel. Donc, les conseillers scolaires à travers du Canada vont avoir bien hâte de se rencontrer. Et on a bien hâte également de voir Whitehorse. Alors, ça va être une belle activité. Et nous avons également notre conseiller élève, Curtis, qui va participer avec nous également. Alors, ça va lui donner une autre perspective au niveau national de ce qui se passe avec les conseillers scolaires. Donc, les choses avancent très bien de ce côté-là. Puis par la suite, on pourra vous donner d'autres informations suite au congrès. Donc, voilà pour la Fédération nationale. C'est beau? Parfait. Alors, le 10.4, nous sommes rendus au rapport de l'élève conseiller. Donc, on va demander à Curtis de nous donner son rapport et on t'écoute. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir, Madame la Présidente. Depuis la rentrée scolaire des élèves, il y a quelques semaines, tous semblent contents et dans leur environnement, tous les élèves. Ça a été un mois pas trop occupé, sans trop de devoirs, et donner la chance aux élèves d'apprendre leur environnement et de découvrir. Cette semaine, les élèves ont commencé à profiter de différentes activités et d'ateliers. Parmi ces ateliers sont ceux d'haltérophilie et de danse. Les sorties de groupe ont été bien appréciées, particulièrement la marche dans la forêt près du lac de la Gatineau. Dans la forêt de la Gatineau. Cette semaine, nous avons profité d'une belle soirée cinéma à la résidence. La nouvelle année scolaire est pour nous l'occasion de créer plein de nouvelles amitiés avec des élèves de d'autres écoles. Pour les prochains mois, nous aimerons améliorer la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes, mais aussi d'autres personnes seules de notre âge qui utilisent la même langue des signes que nous. Ceci conclut mon rapport, Madame la Présidente. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Curtis. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Parfait. Merci. Merci. Donc, nous sommes au 10.5, donc le rapport de la direction de l'éducation. Donc, M. Boulanger, on vous écoute. Moi, je pense après Curtis, là, quand même. Essayez fort. Mais Curtis, il a trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités au mois de septembre. Il a pas au mois de septembre, dans la rentrée. Nous, on vit pas ça de la même façon. Le mois de septembre n'est pas fini. Donc, vous avez à la fois mon rapport d'activité là, que vous allez remarquer juin, juillet, août, jusqu'à septembre, les endroits où j'ai participé, les activités auxquelles j'ai été convoqué ou quoi que ce soit. C'était notre première fois aussi, juste à titre de mention, où j'ai participé à une réunion CODE, qui est toutes les directions d'éducation des 73 conseils de l'Ontario. Donc, ça a été très intéressant aussi de mon côté. Donc, sur les quelques aspects à mentionner aujourd'hui, donc, au niveau d'Aspen, je vous répète la même chose depuis un bout de temps, là, c'est important quand même pour moi que je vous garde au courant. Donc, il y a une personne dans la pièce ici qui travaille fort dans Aspen, qui est Mme Richard. Donc, on continue de piloter des projets, nous autres aussi, avec les conseils scolaires, afin de mettre en œuvre un gabarit PEI. Et ça continue. On a des rencontres avec le ministère là, bientôt. On trouve des solutions à l'interne aussi, comment répondre aux divers pépins qu'on a. On a des petits pépins, pas nécessairement des enjeux majeurs, mais des petits enjeux.
question d'Aspen au niveau des PEI. On a décidé, comme l'année passée, d'aller avec notre gabarit interne de PEI et ne pas utiliser celui-là d'Aspen. On trouvait qu'il y avait encore des mots qui n'étaient pas en français dans la documentation qui nous ont permis de prendre cette décision-là. Donc, c'est ça pour Aspen. Puis on sait qu'on est en évolution, on est en apprentissage, tout le monde, des formations qui continuent à se donner. Même on sait qu'on veut qu'il y ait certaines personnes qui puissent avoir la formation à l'interne pour justement venir appuyer. Puis on sait que pour les autres conseils scolaires, nous, eux, c'est leur première année, nous, c'est notre deuxième année avec Aspen. Donc, c'est sûr qu'on a appris des choses, mais on a encore beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là. Et puis, Curtis a fait référence à la rentrée, conseillère Labrèche aussi en a fait référence à la rentrée, ainsi que la présidente tantôt. Mais c'est une nouvelle année scolaire pour nous autres aussi. C'est notre troisième officiellement en tant que consortium. Donc, on est entré encore sous la bannière du vent de changement. Et ceux et celles qui n'ont pas mis les pieds ici au CCJL depuis un bout de temps, vous avez vu le beau visuel à l'extérieur. Donc, c'est très, en tout cas, moi, j'aime beaucoup l'image que ça apporte. Puis aussi, on sait que le vent nous amène quelque part. On peut faire plein d'analogies avec le vent. Puis on sait aussi que c'est la thématique de la planification stratégique qu'on a mis en œuvre en 2021. C'est notre toute première planification stratégique. Donc, on continue d'y travailler, bien sûr. On a passé deux superbes journées ensemble, les membres du personnel. Nos journées pédagogiques, nous, ont été devancées. Parce que vous savez qu'on a commencé notre année le 22 septembre. Mais les membres du personnel, eux, sont entrés le 18 et le 19. Et là, on avait des journées pédagogiques bien remplies avec des conférenciers ainsi que des messages clés à donner pour l'année. Mais vraiment, les gens sont entrés en douceur, avec sourire. Et puis, j'ai répété aux gens que pendant l'année, il y avait trois mots qu'on allait travailler, donc le courage, l'espoir, puis le bien-être. On s'est engagé en tant qu'administration à prendre soin des gens. Puis justement, la semaine prochaine, on va envoyer de l'information concrète aux gens pour dire qu'est-ce qu'on va faire, nous, comme administration, pour assurer le bien-être des gens. Et puis, on a accueilli pour une toute première fois des parents en personne. Et là, ça fait une grosse différence, hein, parce que vous savez que le fait qu'avant, on avait des rencontres avec la COVID aux 30 minutes, fait que le parent se dirigeait en résidence avec les objets de son enfant, avait 30 minutes, puis on faisait des rotations. Là, on a eu tous les parents à la cafétéria. On a eu tous les parents pour rencontrer tous les membres du personnel. Honnêtement, j'ai pu y assister. C'était fait avec beaucoup d'empathie pour ce que les parents vivent en venant reconduire leur enfant ici en sachant qu'il va être en résidence. Et puis, en même temps, beaucoup de caring de la part des membres du personnel dans s'assurer que le parent comprenne aussi comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Et on veut s'assurer le plus possible que le parent est rassuré. Donc, bravo à toute l'équipe parce que c'est vraiment là. C'était très, très, très bien fait. Ensuite, le prochain point, c'est au niveau de l'accessibilité. Donc, ça fait un an qu'on parle beaucoup d'accessibilité. Comment nous, on fait pour s'assurer qu'on est une organisation pour qui l'accessibilité est une priorité? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour s'assurer qu'on est accessible? Donc, on fait beaucoup de choses présentement. Donc, vous voyez, notre rencontre présentement, elle est diffusée avec une interprète pour s'assurer que quelqu'un qui a besoin de la langue des signes pour la compréhension, c'est une chose. Ensuite, on a le braille avec les élèves en cécité. Et tout ça a mené en sorte qu'à un moment donné, on a posé plein de questions pour essayer de voir qu'est-ce qu'on aurait besoin pour s'améliorer. On a sorti un appel d'offres pendant l'été pour chercher quelqu'un en accessibilité, un consultant qui pourrait nous aider davantage. Et on a sélectionné quelqu'un. Et puis, cette personne-là, dans le fond, va nous aider non seulement à développer un plan d'accessibilité qui est propre au CCJL, mais qui répond aussi à nos responsabilités légales. Donc, ça, c'est excellent. Et puis, j'ai eu très hâte, là, parce qu'on a eu une rencontre avec cette personne-là, Mélissa et moi. Donc, hâte de voir aussi, il y a beaucoup de livrables là-dedans. Donc, ça va être très, très intéressant. Donc, il y a plusieurs choses à venir. Souvent, on pense à accessibilité, on pense à l'accessibilité de l'immobilisation. Comment on fait pour s'assurer, par exemple, que les portes puissent s'ouvrir toutes seules ou il y a des rampes pour les personnes en fauteuil roulant, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, on veut s'assurer que notre site web est accessible, qu'une personne, par exemple, qui a une cécité ou une basse vision, qui puisse lire qu'est-ce qu'il y a dans notre site web, que ça soit activé, que nos PDF soient accessibles, etc. Donc, on a une grande ambition par rapport à ça, mais je suis convaincu qu'on va se rendre quelque part cette année. Pour Éco-École aussi, l'an passé, c'est notre première année qu'on a participé à Éco-École.
Puis honnêtement, on dit ça, mais ça fait longtemps quand même que le CCJL travaille à améliorer son empreinte, si on veut, environnementale. Puis ceci étant dit, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc, vous avez eu la chance, les conseillers, de manger ici aujourd'hui, quand même le compost, ces choses-là se font. On sait que les élèves n'arrivent pas ici beaucoup, avec des lunchs. C'est tout ça, on élimine beaucoup de déchets à ce niveau-là. Mais on voulait faire une analyse. Puis notre première analyse nous a permis de voir qu'on était déjà rendu au niveau or. Puis le prochain niveau, c'est platine. On sait que c'est l'ultime. Et c'est ce qu'on vise. Donc, on sait que l'équipe école a déjà commencé à former des comités pour voir comment on va améliorer nos pratiques aussi pour faire en sorte qu'on est un joueur clé au niveau de l'environnement. Et je ne pourrais pas faire un rapport sans parler de la COVID-19. Un jour, par contre, on va peut-être arrêter. J'entends dans les nouvelles que là, on parle moins de ça. On dit que la planète entière, on est rendu à un point où on va être capable de continuer à vivre et survivre avec tout ce qu'on a mis en place. Donc, vous savez que l'isolement n'est plus obligatoire en Ontario. Toutefois, on demande aux gens qui sont malades de demeurer à la maison. Comme avant, dans le fond, comme avant la pandémie. Le port du masque, il n'est pas obligatoire. Par contre, les gens qui veulent le porter, on va respecter ça. Mais tout le monde, par exemple, qui a eu un test antigénique positif doit porter son masque pour une période de 10 jours. Fait que ça, c'est toutes les choses qui ont été communiquées aux membres du personnel. Et on continue aussi d'offrir les tests antigéniques rapides aux membres du personnel, aux élèves qui le veulent. Donc, si vous avez vu en entrant ici aujourd'hui, proche du secrétariat, il y a des boîtes là, sont accessibles aux gens. Donc, les gens n'ont pas besoin de demander, peuvent se prendre une boîte. Encore là, c'est pour les gens qui veulent s'assurer de leur sécurité, de la sécurité des gens autour d'eux. Et puis, le lavage de mains, bien sûr, puis toute la question de désinfecter partout, ça va continuer. Puis, on a obtenu les services d'un nettoyeur supplémentaire qui devrait commencer sous peu. Lui, il va s'occuper des endroits qui sont plus achalandés pour CCJ. Ensuite, on se voit ce rapport-là de la COVID-19, était moins long peut-être dans les dernières années, c'est ça. Donc, au niveau de la FNCSF, donc la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, puis le RNDG, qui est le regroupement national des directions générales de l'éducation. Donc, on a quand même avancé le CCJL dans notre positionnement, puis maintenant, on est à ces tables-là. Et j'ai eu la chance de participer pour la toute première rencontre à la RNDGE, si on veut, qui avait lieu à Terre-Neuve au début du mois d'août. C'était une très belle rencontre de réseautage. J'ai eu la chance de rencontrer d'autres directions d'éducation de partout au Canada, d'échanger sur leurs besoins à eux, de parler de ce qu'on fait, nous, comme travail. Les gens trouvent ça très, très, très intéressant, ce qu'on fait comme travail. Donc, à voir pour la suite. Puis, j'ai hâte, moi aussi, de pouvoir aller à Whitehorse et continuer à bâtir cette relation-là avec nos collègues de partout au Canada. Suivant, c'est la Semaine internationale des sourds. Donc, là, c'est une question, ça ne s'est pas déjà passé, ça s'en vient, mais je tiens à vous le dire quand même. Donc, on a, comme à chaque année, on célèbre, on trouve ça super important de souligner d'une bonne façon toute la culture sourde, la langue des signes, à travers d'une semaine. On connaît souvent la Semaine de la francophonie, la Semaine internationale des sourds, on la connaît un moins. Mais nous aussi, ça fait partie de notre mandat, fait qu'on doit l'offrir. On veut la célébrer, je devrais dire, plutôt. Et ça a lieu du 19 au 25 septembre. Donc, vous allez voir prochainement passer des choses, soit dans les médias sociaux, peu importe. Là, je sais que la programmation va bon train présentement. Donc, plusieurs belles choses qui se passent à ce niveau-là. Au niveau des CCED, on en a parlé un peu aujourd'hui avec plein de gens sur quand est-ce qu'on va continuer d'offrir des formations, si on veut, ou des présentations au CCED. On va continuer encore cette année et puis on est disponible là en tout temps. L'an passé, on a fait 14-15 présentations même aux différents conseils scolaires. Donc, on sait que les gens étaient très heureux qu'on puisse parler de nos services. Et encore là, c'est important au niveau de notre positionnement qu'on fasse connaître c'est quoi qu'on offre comme service. Les gens semblent des fois très peu connaître les services qu'on offre, mais c'est une porte d'entrée puis c'en est une très bonne parce que en principe, les conseillers scolaires siègent aussi au CCED, direction de service à l'élève, etc. Et quelques nouveautés en terminant au CCJL. Donc, je vais parler des différents services. Donc, à l'école provinciale, il y a maintenant un programme pédagogique de langue et identité que nous, on appelle communément ici le PPLI,
Donc, c'est une nouvelle initiative qui a été mise sur pied par la direction, dans le fond, puis les membres du personnel. L'objectif, c'est d'être capable d'enseigner aux élèves dans les deux langues en même temps, le français et la LSQ. Superbe programme présentement. Donc, on s'est basé aussi sur ce que disait la recherche. Et puis, les deux personnes dans la classe sont super engagées. Je sais que Curtis participe aussi à ce cours-là. On nous a dit aujourd'hui que ça fait travailler le cerveau parce qu'on travaille très, très fort. Mais bravo, j'ai très hâte de voir ce qui va en venir de ce beau programme. Ensuite, à l'école d'application, l'équipe continue à monter la programmation. On travaille avec des chercheurs. On sait que si on veut devenir la référence incontournable, les programmes qu'on offre aux élèves doivent être de qualité. Et on dit de notre côté top. Fait qu'on travaille vraiment avec des chercheurs reconnus, puis vraiment superbe travail. Je suis très, très, très impressionné de l'équipe à l'école d'application, autant qu'à l'école provinciale. Je ne sais pas de comparer. C'est vraiment de voir comment le travail d'équipe. Hier, j'ai dit, c'est comme des petites abeilles, tout le monde travaille ensemble, mais dans le même but aussi, c'est l'amélioration du rendement des élèves. On a mis plein de choses en place, trouver des diagnostics pour aller voir où est rendu l'élève, ou être capable de l'accompagner avec plein de conversations. En tout cas, moi, je suis très, très, très encouragé de voir ce qui se passe à ce niveau-là. Au niveau des services résidentiels, l'équipe continue d'offrir la programmation aux élèves d'application puis aux élèves de l'école provinciale. Donc, vous allez voir plus tard dans le rapport sur les effectifs qui est où. Mais à ce niveau-là, on a une nouvelle programmation. On a quand même offert l'an passé un nouveau programme de 6T. Cette année, c'est la première fois qu'on a un élève en résidence qui provient du programme de 6T. Ceci étant dit, on essaye aussi d'offrir un programme de qualité qui répond aux besoins de cet élève-là. Et puis, comme c'est là, ça va bon train. On sait que le programme de CCT a vu le jour l'an passé, mais c'est un nouveau programme. On est venu à la table ici pour assurer qu'on avait aussi votre support à ce niveau-là, parce que ça voulait dire ajout de membres du personnel. Mais je pense qu'il était temps, après 20 ans, qu'on mette sur pied un tel programme. Dans notre visite aujourd'hui, vous avez sûrement vu les bienfaits de ce programme-là, les élèves comment sont heureux, en tout cas des sourires et des rires, et en tout cas, je pourrais en parler longuement. Au service consultatif, on a ajouté une consultante au niveau des troubles d'apprentissage sévères. Et cette personne-là, c'est un nouveau programme suite à la consultation qu'on a fait avec les conseils scolaires l'an passé. Puis on s'est rendu compte qu'à quel point on pouvait peut-être répondre à des besoins de partout en province. Et cette personne-là, on est en train de rencontrer les conseils scolaires, déterminer quels sont les besoins des conseils, est-ce qu'on a besoin d'entrer dans tel conseil, si oui, comment, puis comment on peut appuyer davantage. Je vous rappelle que les consultants, c'est comme des conseillers pédagogiques, des experts dans un tel niveau, mais qui viennent appuyer les 12 conseils scolaires, parce qu'on veut vraiment travailler autant avec les gens du Nord, du Sud, du Moyen-Nord, puis de l'Est d'Ontario. Puis l'autre nouveauté, c'est que le CCJL chapeaute un projet en lien avec toute la question des recommandations qui vient de la Commission des droits de la personne l'année passée qui a fait un rapport sur le droit de lire. Donc il y avait vraiment une 150 recommandations. Une des recommandations, c'était au niveau de la francophonie qu'on monte une programmation pour aider les élèves, pour s'assurer que nos élèves en milieu minoritaire puissent apprendre à lire. Donc, on le chapeaute, dans le fond, on est le conseil banquier. On a embauché une personne parce que le comité avait décidé, comité aviseur. Et puis, cette personne-là, quand il a commencé déjà à travailler, rencontre les conseils, super intéressant pour nous. Moi, j'ai la chance de discuter avec cette personne-là souvent, puis ça me retourne à la pédagogie. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en tout cas, fait qu'on a des beaux échanges. Et puis, présentement, on est en train de travailler à la coquille sur comment on est en train de proposer au ministère sur la façon dont on va fonctionner. Qu'est-ce qu'on va livrer? C'est quelles les phases? Parce que c'est un programme, un projet de 2 ans. Cette personne-là est en prêt de service là, pour nous aider à répondre au mandat qui nous est confié. Ceci conclut mon rapport, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Boulanger. Est-ce qu'il y aurait des questions? Commentaires? Moi, j'aurais peut-être 2 petites choses. Au niveau du programme Aspen, comme tu l'as indiqué, nous, on est dans notre 2e année, mais dans nos conseils scolaires, c'est notre 1re année. J'étais juste curieuse à savoir, est-ce que ce logiciel ou ce programme est utilisé également pour les parents, la communication avec les parents,
aussi vraiment utilisé. Il n'y a pas, présentement, nous, on n'a pas activé le portail parent. OK. Mais il y a une possibilité de le faire. OK. Mais nous, comme présentement, la façon dont on communique avec les parents, on n'a pas passé à travers Aspen nécessairement, mais okay. Éventuellement, il y a une possibilité qu'on le fasse. OK. Ouais. Je sais qu'il y a eu des défis, toutes nouvelles choses, parce que c'est une grosse structure à changer. Donc, moi, comme parent dans le conseil scolaire, je sais qu'il y a eu quelques défis, donc j'étais curieux de savoir si. Parfait. Excellent. Puis, juste pour la rentrée, ben, j'ai participé à la rentrée. J'étais ici là, le 22 août. Oui, j'étais ici, puis j'étais contente de voir tout le monde. Tout le monde était content de se revoir également. Et puis, je sais qu'il y a eu un bel événement, parce qu'on a fait du yoga du rire. Je sais que Gabriel nous a présenté cette chose-là, puis je lui ai dit aujourd'hui que j'ai commencé à faire du yoga du rire. Ah oui? Oui, oui. Donc, j'ai commencé à faire ça. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est, je pourrais vous envoyer un petit peu d'informations. Puis, c'est quelque chose vraiment intéressant à faire. Donc, j'ai trouvé ça fun qu'on puisse faire quelque chose de plaisant là, pour la rentrée. Alors, j'étais contente de voir ça. Alors, merci beaucoup pour votre rapport. Maintenant, nous sommes au point 10.6, les effectifs préliminaires. M. Boulanger. Donc, c'est ça, on vous a mis dans le tableau les effectifs préliminaires. Donc, on trouve ça quand même important de pouvoir vous les partager. Donc, juste à titre de service, là, l'école provinciale, présentement, est à 27 élèves en date du 15 septembre. À l'école d'application, nous sommes à 40 élèves. Au service résidentiel, il y a 48 élèves, dont il y en a 8 de l'école provinciale et 40 de l'école d'application. Et quand on indique que plus 4 en soirée, je vous explique ce que c'est. C'est qu'on a décidé d'offrir l'année passée et cette année une programmation possible en soirée pour certains élèves. Si on est capable de répondre à certains objectifs, et que les élèves qui viennent passer soit une heure, les élèves qui viennent passer trois heures, et les élèves qui viennent, ils restent jusqu'au souper et ensuite ils quittent. Notre objectif encore, c'est passer à travers un processus. Ce n'est pas n'importe quel élève pour toute raison. C'est qu'on regarde vraiment quel objectif qu'on va atteindre. Et ensuite de ça, on passe à travers un comité, on approuve, puis ensuite l'élève puisse venir profiter, si on veut, non seulement des adultes en résidence, mais des autres élèves pour faire du social. Puis ça, c'est offert aux élèves à l'école provinciale, qui souvent ils vont vivre l'isolement à la maison, ils vont vivre l'isolement parce que soit ils ne participent pas à d'autres activités parascolaires ou autres, parce que la communication en langue des signes, quand on parle de mauvaise communication, c'est comme ça. Puis on veut s'assurer, nous autres, qu'on leur donne une opportunité supplémentaire de faire du social. Et puis, au niveau des services consultatifs, on a mis un astérisque là, mais d'à peu près 360 élèves qui sont desservis présentement par les services consultatifs. Parfait. Merci beaucoup. On est bien content de voir ce genre de chiffres, d'effectifs également, avec les années qu'on avance et petit à petit, on va y arriver. Puis, félicitations pour cette belle initiative-là aussi pour en soirée. Donc, ça va permettre à d'autres de connaître encore plus ce qui se passe au consortium Centre Léger. Si ça peut aider des jeunes, comme tu disais, qui se sentent seuls, ben là, au moins, ça leur donne cette chance-là de pouvoir rencontrer d'autres gens comme Curtis. Ouais. excellent. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Non? Parfait. Merci. Donc, le 10.7, la couverture médiatique. Alors, nous avons notre directeur d'éducation qui a participé au niveau des prévisions de l'année scolaire, donc au rendez-vous scolaire, je vois que ça reprend. Alors, merci de faire cette présentation-là. Et maintenant, je vais demander au niveau de la motion pour toutes les informations qu'on vient d'entendre, que soient reçues les points de communication tels que présentés lors de la réunion ordinaire du CCGL du 15 septembre 2022, proposée par la conseillère Chartrand, appuyée de la conseillère Salituri en faveur. Fest adopté. Merci beaucoup. Nous sommes au point 11, donc la rétroaction de la réunion. Alors, on se pose toujours la question, comment les décisions prises lors de cette réunion ont-elles un impact sur l'épanouissement du consortium Centre Léger? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre? Sinon, moi, j'aurais peut-être des éléments à soulever encore, je l'ai dit au début, au niveau de la visite qu'on a faite au sein du consortium, donc de voir des résultats concrets de ce qui se passe à l'école et de voir, comme vous l'avez indiqué tantôt, des sourires. Intéressant, le programme Langue et Identité. Donc, on est allé dans une classe où on a pu voir les deux enseignants, une enseignante et un enseignant avec les élèves. Il y a de beaux partages qu'il y avait même avec des plus jeunes élèves et des élèves
intermédiaire aussi, parler d'une histoire, de créer quelque chose. Donc, je pense que c'est un beau programme qui va donner beaucoup, beaucoup de positifs de ce côté-là. Puis ensuite, je pense juste l'impact de la rentrée scolaire. Donc, je pense qu'on peut souhaiter une bonne rentrée scolaire à tout le monde également. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une rétroaction. Non? C'est beau. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup. Alors, ça sera la levée de la réunion. Alors que la réunion ordinaire CCGL 2021-2022, 07 du 15 septembre 2022 du consortium Saint-Gilles-Léger, soit levée à 19h44, proposée par la conseillère Labrèche, appuyée de la conseillère Muse. En faveur? Parfait, c'est adopté. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à tout le monde en ligne également d'avoir participé. Puis je vous souhaite une belle soirée et au plaisir de se revoir à notre prochaine rencontre. Donc, bonne soirée.